Voilà, on voit des abeilles, apparemment Buckfast, commence à visiter plusieurs ruches. Ruche piège. Je ne sais pas où elle est ça. On va faire le tour. Bon, une ruche piège, on voit une abeille devant. Très cherchée. Et ça cherche partout. Donc, je regarde un peu partout dans les arbres. Ici, il n'y a pas beaucoup d'activité. Ici non plus. Travaille tranquillement. Des ruches calmes, saines. Je cherche encore. Si j'arrive à trouver, c'était ça. Je ne vois pas. Ce qui est sûr, c'est que l'essaim n'est pas loin et il va arriver. Je cherche. Cherche toujours. Ouais, ça a l'air un essaim Buckfast. Hein. Il doit pas être loin. Alors je vous avais déjà montré cette ruche. Là on voit que c'est un mélange. Cette ruche a déjà fait deux essaims ou trois essaims cette année. Et c'est pas le même essaim. Donc il y a deux possibilités d'avoir un essaim. J'ai beau chercher dans les arbres, je ne vois rien. Pourtant, il est pas loin. Faire un peu de place devant au cas où l'essaim il vient avec l'herbe, il a du mal. Ah, il y a du vent qui se lève, ça c'est pas un vent pour les essaims, ça c'est ce qui freine les rennes. Lors de l'essaimage, c'est ce qui les fait. D'abeilles qui vont ici. On
une qui me poursuit. Les saints à venir de loin. Mais ils ont déjà trouvé refuge dans les petites ruchettes ou les ruches pièges. Je vois aucune activité le long. C'est marrant parce que je peux chercher les saints, même si je sais qu'il est pas loin. C'est rare que je le trouve. J'aimerais bien trouver une fois les saints par moi-même en marchant un petit peu comme ici. Il n'y a rien. Bon, je fais une petite pause. Une fois que les saints sont en train d'arriver là-bas. Ce qui est sûr, je vous montrerai la suite. Parce que je suis sûr et certain que les saints vont arriver avant jeudi. Là, je reprends parce que je vois quelque chose de noir au fond là-bas. Oh, les arbres. Ça à chaque fois. Je sais pas si c'est visible. On a l'impression de voir des essais partout à force de les chercher. Bon, j'ai beaucoup appris. Ça sert à rien si les saints doivent venir, ils viennent. Voilà, on est nouveau sur mon terrain. Et voilà, je l'ai trouvé. Ah, je suis content. Il est là. Voilà, c'est ce qui s'appelle avoir une connaissance en apiculture. Bon, ben, il faut que j'aille chercher le matériel. Allez, à tout de suite.